Très cordial bienvenue à cette soirée intitulée « Connaît-on la chanson, la valse littéraire ?», un événement qui est organisé en partenariat avec la Comédie du Livre de Montpellier. Ça va, vous avez fait connaissance ? Tout va bien ? Elle va bien ? C'est super. Le principe est assez simple. Le Livre sur les quais a demandé à 4 autrices et auteurs d'écrire des textes originaux, 2 textes chacun et chacune, sur des chansons qu'ils aiment ou qui les ont marquées ou qui les ont touchées. Chaque auteur va vous lire ses textes, mais évidemment, comme on parle de chansons, ces chansons, il faut bien les chanter à un moment. Et pour chanter des chansons, on a besoin d'une chanteuse. Merci d'accueillir Stéphanie Coistana. Et une chanteuse toute seule, c'est pas suffisant. On a dégoté un jeune pianiste débutant plein de promesses, André Manoukian. Et vous allez voir qu'on se moque pas de vous parce que le premier auteur qui va venir nous lire son texte est quand même un prix Goncourt. Eh oui, c'est Alexis Génie, et je vous laisse découvrir la chanson. La première chanson que j'ai choisie, c'est « J'aime regarder les filles » de Patrick Coutin. Je m'en explique. Quand cette chanson est apparue, j'avais 18 ans. Et à part manger et dormir, je ne faisais rien d'autre que de regarder les filles. Mais j'étais timoré et timide, discret, pas très bavard. Alors je ne le montrais pas. Je ne me l'avouais même pas. Je me contentais de rapides œillades qui pouvaient passer pour indifférentes et pratiques. J'avais honte, je crois. Honte de tout ce qui était érotique. Honte de manifester la moindre intérêt à ce qui était érotique. C'est-à-dire toutes les filles. J'affectais une indifférence hautaine, je mimais l'absence, l'absence des filles, l'absence de regard, l'absence d'intérêt. Que craignais-je ? Ben, la moquerie, du genre de celle des garçons d'école primaire qui scandaient « il est amoureux », au moindre regard appuyé. Pire, je craignais la réprobation. Mais de qui ? Ben, des adultes en général, et de ma mère en particulier. Qui serait scandalisé de me voir manifester le moindre intérêt érotique pour les filles qui passent. Tu as fini de regarder les filles, m'avait glissé mon grand-père, alors que nous nous promenions dans la rue. J'avais 12 ans peut-être. J'ai grommelé que je ne regardais rien. Honteux qu'il s'en soit aperçu, qu'il ait surpris mes regards par en dessous, imaginant qu'il me réprimandait, alors que le ton amusé de sa voix montrait qu'il s'agissait d'une taquinerie entre hommes. Mais je réjouissais d'être deviné. Quand j'eus 18 ans, c'était le moment d'embrasser, de coucher, tout ça me taraudait sauvagement, mais toujours je gardais les yeux baissés. Qu'on n'aille pas croire que je regarde. Dissimulation naïve, car on me devinait sans peine. Quand la chanson retentit pour la première fois, ce fut un tonnerre, ce fut la pluie bienfaisante après tant de sécheresse épuisante. Regarder les filles, ça existait, et ça se proclamait fort. C'était l'été, c'était une soirée en plein air, une foule se pressait, la musique était forte. La longue ligne de basse arrogante commença, annonçant la prodigieuse nouvelle. « J'aime regarder les filles !» Oui, c'est dit. La musique m'entourait, je dansais, je buvais cette eau céleste. « J'aime regarder les filles !» Je redressais la tête, je regardais férocement autour de moi les filles légèrement vêtues qui dansaient en plein air en cette fin d'été. Coutin annonçait la bonne nouvelle. On pouvait. Je reprenais le refrain à pleine gorge. Nous étions plusieurs à le faire. J'aime regarder les filles marcher sur la plage. J'étais libre, adulte, d'un coup. Thank you.
rien trop sage, le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, les hanches qui se balancent et les sourires fugaces. Comme le mien ne marche pas du tout, je vais prendre celui-là, c'est bon, on a changé deux fois de micro, ça ne marche toujours pas. Merci d'applaudir encore une fois Stéphanie Kwasana, s'il vous plaît. Un nouvel auteur, une nouvelle chanson. Pour la chanson, on va rester un peu dans la thématique, il ne s'agit pas de regarder mais de voir, mais il est toujours question de filles. Je vous laisse découvrir la chanson. C'est un plaisir et un honneur d'accueillir Sarclo. Est-ce que j'ai un micro qui marche? Oui. Des filles, chansons francophones de qualité française. J'ai croisé un jour le gars qui joue la guitare sur cette chanson, Sous les jupes des filles, dans un magasin du boulevard Beaumarchais. J'avais pas les sous pour la guitare qui me bottait, et la semaine d'après, elle était partie, Higelin l'avait achetée, salaud. Il écrivait pas que des conneries, il jouait aussi de la guitare. L'album où on entend cette chanson, c'est déjà ça. C'était l'époque où on essayait encore d'en faire des albums. C'est son meilleur. Comme l'homme à la tête de chou de Gainsbourg.
Il n'y a rien de raté, rien de mou. C'est la preuve qu'il est juste le meilleur. Et ce n'est pas Renaud qui nous dira le contraire. Les Jungs, maintenant, ils ne font plus d'albums. Personne n'en achète, ils font des sons. Ça va moitié plus vite que des chansons. La seule chose qui tourne sur Terre, c'est leur robe légère. C'est le genre de phrase qui rend un chantiste jaloux pour la vie. Pourquoi c'est pas moi qui l'ai trouvé celle-là, je m'en fous. J'ai écrit « T'es belle comme le petit Larousse à la page des avions » et toc. Souchon était beaucoup plus jeune que moi quand il a écrit ce chef-d'œuvre. Ça donne le sentiment d'avoir perdu son temps. Il a cette élégance de mettre quelques idées utiles dans une chanson qui fait semblant d'offrir juste du divertissement. Et il file la gratte à jouer à un type qui a un compte dans les magasins de guitare. Il a fait ça tout le temps, déguiser des belles chansons en variétoche. Il joue les pinces sans rire de philo de comptoir. C'est moins cher qu'en terrasse. Leur robe légère, il y a là le seul adjectif de la chanson. Et on sait bien qu'il faut éviter les adjectifs, mais pas celui-là. C'est dans mon bouquin, Les règles douloureuses de Sarclorey, comment faire une chanson et pas une merde. Éviter les adjectifs, mais là l'adjectif devient l'axe de la pensée de la chanson. C'est pas du mastic pour bricoler trois pieds dans un octosyllabe. La chanson fait semblant d'être légère et elle distille une jolie sagesse. Et une petite claque sur les fesses des hétérosexuels protestants, plus une petite leçon de morale aux tueurs de chevreuil, plus une bonne petite leçon d'écriture aux auteurs de chansons neuneux. Pas être copain avec Souchon est un truc qui me rend furieux contre moi-même, une autre bonne petite punition. Mais c'est très bien fait pour ma gueule, salaud. Je m'en fous, j'ai rencontré Desproges et Marina Rollman. Un jour, je lui ferai une tartine de Senovis et toc. Rétine et pupille, les garçons des yeux qui brillent, pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles très fières sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant, et laissant le vent tout faire. Elles dansent suave la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Fait beaucoup se pencher, tordre son cou pour voir la fortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfare bleu-blanc rage, vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles pas fières sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons, les yeux qui brillent, pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. La 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 la
au piano, André Manoukian. Au chant, Sarclo. On en parle des filles, on en parle, mais on ne les a pas entendues encore. Il est temps qu'on entende une fille, une autrice, comme on les aime. La prochaine chanson, vous allez la découvrir. Elle a un peu les cheveux de l'interprète, d'ailleurs. Merci d'accueillir Haute-Seigne. Je vous ai écrit une petite histoire et le titre de la chanson est caché dedans. Je ne vais pas l'annoncer maintenant. Swiper à gauche si on n'est pas intéressé. À droite si on se dit pourquoi pas ou ouais, carrément. 65 millions d'utilisateurs, utilisatrices. Et elle, qui n'y connaît rien, elle a 36 ans, elle est mère de famille. La dernière fois qu'elle a eu un rendez-vous galant, les smartphones n'existaient pas. Il vient d'avoir 21 ans, il est sportif d'élite aux États-Unis. Elle commence à comprendre que si elle swipe à droite, il ne saura jamais qu'elle a bavé devant ses abdominaux, devant la beauté arrogante de son corps d'éphèbe. Sauf que ça match. Il confirme qu'il n'est pas dérangé par la différence d'âge, il la trouve mignonne. Il envoie des photos de son torse, de ses tatouages, de son érection. Elle envoie ses épaules, ses jambes. Il dit « très mignonne ». Il est rentré chez ses parents pour l'été, ne sera majeur qu'en retournant aux États-Unis à la rentrée. En Europe, c'est comme s'il venait d'avoir 18 ans. Il se retrouve à 14 heures devant un hôtel qui loue des chambres à la journée. Ils sont d'abord assis sur le lit. Il ne la regarde pas dans les yeux. Elle lui dit qu'ils ne sont obligés de rien. Puis il enlève son t-shirt. Elle effleure ses tatouages et ses cicatrices. Elle comprend l'envers du décor, les blessures, les craquelures dans son corps d'athlète sculptural. Il s'adosse à la tête de lit en caleçon, cache son visage derrière un traversin jaune. Son corps est mélangé, la peau duveteuse sur les muscles puissants, les boucles blondes, les yeux de jade et ce côté presque encore adolescent, imberbe, timide, les pommettes roses, l'immense sourire carmin qui lui fait des fossettes en circonflexe quand il sourit. Elle le sent quand elle le touche. C'est un corps qui n'a pas encore l'habitude de s'abandonner, d'être caressé, embrassé. Elle prend son sexe dans la main, elle le fait pénétrer en elle, il ne la quitte pas des yeux et elle voit dans ce regard qu'il n'y croit pas. Qu'il est émerveillé par l'avidité qu'il se donne, qu'il partage. Mais tout semble juste, même leurs hésitations. Lorsqu'il a joui, il s'étend sur le ventre, la tête dans l'oreiller. Elle laisse glisser ses doigts sur les muscles lissés durs de ses fesses, de son dos. Elle lui dit « C'est impossible que tu sois aussi beau ». Il la prend dans ses bras, ils discutent. Ils n'ont pas grand-chose en commun, à part l'amour des ramen, Minecraft, une envie d'aller pêcher le saumon en Norvège un jour et le fait d'avoir rencontré à un carrefour de leur vie un ou une inconnue parfaitement opportun. Merci. D'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compris en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça la fait rire.
quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé en herbe au creux d'un lit improvisé. J'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent d'incertitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans. Stéphanie Kwastana, André Manoukian. Nathalie Yot est notre quatrième autrice. Nathalie, tu devrais pas me laisser la nuit. Je ne vais pas me mettre à manger ma maison, je ne vais pas ouvrir cette montagne en deux, ni avaler tes mains, je ne vais pas capturer une bête pour déposer sa peau sur mes épaules, je ne vais pas sourire dans des immeubles en feu, ni rire d'ailleurs, ni marcher sans chaussures ou me laver avec du sang. Mais quand même, tu ne devrais pas me laisser la nuit. Je ne vais pas retourner la terre avec mes cheveux, je ne vais pas me rouler dans les insectes des tombes, ni engueuler les morts, ni déchirer les vitres ou jeter mes couteaux. Je ne vais pas ronger les os du vide, je ne vais pas tomber, ni brûler d'ailleurs. Mais quand même, tu ne devrais pas me laisser la nuit. Je peux m'asseoir calmement, je peux siffler calmement, je peux m'éterniser calmement, en regardant la poussière faire des tours sur elle-même et en pensant aux blocs de pierre. Je peux. Il y a une histoire entre chaque seconde. Les phrases bougent, les voix tournent, les mots mentent. Les voix bougent, les mots tournent, les phrases mentent. Les mots bougent, les phrases tournent, les voix mentent. Tu ne devrais pas me laisser la nuit. Je vais aller au zoo dire aux animaux qu'ils ne sont pas des hommes et je tuerai le temps pour qu'ils se taisent.
On ne répare pas les branches des arbres. Casser, c'est casser. On ne peut pas toucher son eau du corps, mettre les mains dans l'eau de son corps. Tout est caché. La peau est parfaite. On s'avance et on n'est rien. Il y a des massacres. L'eau coule. Le calme reviendra demain. Bois un peu avec ta langue les gouttes de mon front. C'est comme la mer. Tu vois, tu devrais pas me laisser la nuit, ni le jour d'ailleurs. Je fais mon footing au milieu des algues et des côtes. Je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qui foule. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Le long, le long, le long des golfs, pas très clair. En regardant les résultats de son check-up, un requin qui fumait plus a rallumé son globe. Ça fait frémir, faut savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son chien au mois d'août en Espagne. Chante comme un vide. Remets-moi Johnny qui. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Le long, le long, le long, le long des gars, pas très clair. Jannick, t'es bien plus belle que Morissette, qui est belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette. Ça fait craquer au feu les pompiers. Aujourd'hui c'est vendredi et je voudrais bien qu'on m'aime. J'en vais encore finir chez Vanda et ses sirènes et ses sirènes. Oh 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 oh. Me laisser la nuit, je veux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Le long, le long, le long, le long des gorges. Il est pas mal, notre jeune pianiste. Hein. On n'est pas bien ici ? Hein ? Jetez un coup d'œil par là. On dirait le sud. Mais le temps ne dure pas si longtemps que ça, parce qu'on est déjà à la chanson suivante et donc au texte suivant, un texte signé Haute-Seigne. Du coup, vous avez le titre cette fois. C'est un air doux comme l'enfance qui me revient au pied du lit de ma fille après une ultime tyrannie. Maman, t'as pas une autre chanson ? Je saute le dernier couplet parce qu'il mentionne la guerre.
Malheureusement, quand je lui laisse Spotify pour qu'elle découvre autre chose que des comptines, elle entend la chanson en entier et m'interpelle. Mais pourquoi t'as jamais chanté la fin ? Depuis ses 3 ans, elle est préoccupée par l'idée de la mort. Pourquoi c'est triste la mort ? Moi, je veux pas mourir parce qu'après, je pourrais plus jouer. Je ne sais pas si c'est la chanson ou l'actualité, mais depuis février 2022, la mort est remplacée par la guerre. Pourquoi il y a la guerre ? Pourquoi les gens ils veulent tuer d'autres gens ? Pourquoi ils n'ont plus de maison ? À un moment, je me suis crue maligne en utilisant la métaphore du bac à sable. C'est comme quand tu vas chez les autres enfants casser leur château, alors que tu as juste de la peine à exprimer tes émotions. Mais ça a ouvert d'autres portes pour elle. Est-ce qu'on doit mourir pour laisser notre maison aux gens qui n'ont plus de maison ? Est-ce qu'ils vont venir ici avec des armes ? Est-ce qu'un jour il y aura la guerre à Genève ? C'est un peu tôt pour lui parler de la tradition humanitaire de la Suisse, tout comme des subtilités de la grammaire. Car ce « un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre » n'est pas le même « il faut » que dans « il faut te brosser les dents maintenant ». J'essaye d'expliquer, de nuancer. Je mentionne par mégarde que ce sont surtout des femmes et des enfants qui fuient, que les hommes doivent rester sur place. Moi qui lui parlais jusqu'ici d'égalité des genres, je comprends qu'elle n'y comprenne rien. D'ailleurs, quand je crois avoir défait un nœud, quand son petit visage se tait, enfin, elle recommence. Mais pourquoi y a la guerre ? Au fil des semaines, la guerre s'infuse en elle comme un sujet qui l'amuse, d'autant plus qu'elle a compris que j'essaye de l'éviter. De ce sud indolent que j'imaginais, de ce temps d'éternité, il ne reste pas grand-chose, mais peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est nous qui imaginons l'enfance et qu'elle est plus dure que ce que nous en retenons. Quand un soir, les yeux pétillants d'excitation, elle me dit avoir trouvé une solution à la guerre, je cache mon amusement et je l'écoute. Elle dit « En fait, pour pas qu'on les tue, les gens, ils ont qu'à aller dans leur maison et fermer la porte à clé. » Elle est si fière qu'elle serre ses joues rebondies dans ses petites mains et je ne la contredis pas. L'enfance dure parfois 1 million d'années. Thank you.
jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit, c'est le destin. Cet après-midi, sur un bateau, avec François Morel, qui nous fait l'amitié d'être là, on évoquait Anne Sylvestre, qui disait « J'aime pas Léo Ferré ». Sarclos, lui, aime Léo Ferré. Alors, ça marche pas. Donc, je vais en prendre l'autre. Donc, l'autre, il dit que j'aime Léo Ferré. En fait, j'aime Sarclos, surtout. Donc, je vais... Mon texte s'appelle « De Comme à Ostende, plus belle chanson du monde ». Léo Ferré est le roi des pétrouilles. Avant d'être mort, il était juste vieux. Je l'ai vu chanter à Yverdon avant que le théâtre s'appelle Théâtre de Benoît Besson. Il y avait un revox sur son piano et à la fin des chansons, on entendait une espèce de schlack qui nous faisait comprendre qu'on n'avait pas payé assez cher pour avoir des musiciens. Mais que c'était le moment où on pouvait se donner des baffes dans les mains. Ça rince la tête entre deux numéros. Léo Ferré faisait pas bien son numéro. J'aimais ses chansons à nard, j'avais 21 ou 22 ans. J'en avais pas encore écrit la moindre, mais j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de me mettre à détester les vieux chanteurs. Parce que manifestement, ils s'emmerdaient et ils nous en voulaient d'être là, à l'écouter chanter à Yverdon, lui qui voulait diriger des orchestres classiques dans des beaux théâtres à l'italienne. C'est vrai que le théâtre Benoît Besson, ça ressemble à une pâtisserie de supérette. Cette chanson, il en a fait la moitié, la musique. Et il la chante avec cet emportement ridicule qu'il avait tout le temps. Mais ce qui fait cette chanson, c'est tout le bazar qu'elle raconte, c'est Cosimon. La mélodie est vachement bien, elle vous la met dans la gueule de façon tout à fait convaincante. Et avec un peu de chance, un jour, vous buvez des canons avec Michel Buller et il va au piano et il vous la balance et c'est le ciel. Cosimon la chantait drôlement bien, mais c'est daté avec cette emphase théâtrale qu'on avait à l'époque et Bubu. Il vous la donne cash, sans affection, sans affectation, et tout y est, encore mieux qu'Arnaud. Pas de gras, juste l'imaginaire qui se met à tourner à fond, qui vous montre comme vos émotions sont neuves et que vous êtes toujours un môme. C'est une chanson dont chaque ligne vous emmène dans une autre histoire, comme une chanson de Dylan. Pas de morale, pas de récit, pas de logique, et surtout pas de conclusion, ni de sentiment, juste... Des associations d'idées qui déboulent comme une bille dans un flipper et qui vous baladent de gauche à droite, de haut en bas, et vous allez taper dans le mille, same player shoot again. C'est la grande vie, vous remettez 10 balles. C'est la chanson qu'on se sent tous incapables d'écrire et c'est le regret de nos vies d'imbéciles de saltimbanque. On finit un truc, on se dit,
c'est pas mal, mais c'est pas comme à Ostende. Voyez les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant le casino désert. La barmaine avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver, au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux taillés en amande, ni gris ni vert, comme à Ostende et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si ça vaut le coup, et puis surtout si c'est utile, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Il y avait là des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Et ça pleuvait, oui ça pleuvait, comme à Ostende et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est parti bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines présence féminine qu'on veut se payer quand on est sous. Et tout d'un coup, au bout de la rue, est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chanter tant et plus. Si bien que tous les gars de la rue se sont perdus, comme à Ostende et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si t'es utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. Sarclos et André Manoukian, s'il vous plaît. C'est le drame de sa vie. Il est blanc de peau. Alexis Génie. C'est décidé. Dans ma prochaine vie, je vais demander aux fées qui vont se pencher sur mon berceau de jouer du piano comme Manoukian. Et si je dis ça, c'est parce que c'est quelque chose qui m'obsède un peu. Ça a un lien avec la chanson dont il est question, c'est-à-dire les liens compliqués entre un romancier et la musique et la chanson. Je vais parler de Armstrong de Nougaro. En général, je ne comprends pas les paroles des chansons. C'est depuis toujours, c'est sans doute une part de cervelle qui me manque, une fonction dont on a oublié de me munir. Bah, c'est vrai que j'ai émergé un peu trop tôt des usines de ma mère, je suis né sans être fini. Quand j'écoute une chanson, je perds le fil. Je ne sais pas ce que ça raconte, même si elle est simple. Il me faut l'entendre 10 fois pour la mémoriser à moitié. Mais avec Nougaro, c'est pas grave. Puisque Nougaro, c'est de la musique incarnée. Ces mots ne sont pas des mots qui attendent d'être dits un par un pour être compris. Ces mots obéissent à une autre physique. Ils rebondissent les uns contre les autres comme des billes de flipper sur les bumpers. Ils descendent les targets. Ils font retentir des bips, des zwangs, des ch'tonks, accumulant les points jusqu'au clac de la partie gratuite.
Les mots de Nougaro sont lourds, ils sont lisses et denses comme des balles d'acier d'un flipper. Ils ne sont même pas attachés ensemble. Ils rebondissent sur les bandes de caoutchouc, ils dévalent la pente, désinguent les cils, rebondissent sur les raquettes habilement redressées, virevoltent encore jusqu'à ce qu'on les sente, en sente le poids, la masse et la densité du bout du doigt appuyé sur le bouton de renvoi. Les mots de Nougaro sont des billes de métal et des bandes de caoutchouc. Ça danse et ça rebondit, le rythme y remplace le sens, le choc en proclame le sens. La chanson fait ça. J'aimerais faire ça, mais le roman ne le peut pas. J'aimerais jongler avec quelques mots, pas beaucoup, mais choisis, les faire rebondir et tourner en boucle, les renvoyer et les voir revenir jusqu'à ce que l'on sente leur poids, leur densité et que d'un éclat brusque, ils descendent à target et remportent extra balle. J'aimerais faire cela, mais le roman ne le peut pas. Il a besoin de plus de mots, il a besoin de phrases, il a besoin que l'on explique et que l'on comprenne, il a besoin de lenteur et de calme. Sinon, les 400 pages qui le constituent, qu'il faut tourner une à une jusqu'au bout, en seront chiffonnées, brouillées, illisibles. Comme je le regrette. Mais c'est pas raisonnable d'espérer du roman une musique brève, dense et répétitive qu'il est incapable de donner. Alors, j'écoute Nougaro, qui joue avec dextérité de sa machine à boules, qui réalise à mon grand bonheur ce que le roman ne peut pas. Joue pour moi, Nougaro. Dit en peu de mots répétés ce que j'ai du mal à dire en des centaines de pages. Blanc.
Stéphanie Kwastana, s'il vous plaît. Bon, il est l'heure de faire les comptes. Haute-Seigne, deux fois, ça c'est bon. Sarclos, deux fois. Alexis Génie, deux fois. C'est le dernier, Nathalie Yacht. C'est le dernier. Eh, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Si on avance dans une porte fermée, si tu avances, si j'avance, si n'importe qui avance, de n'importe quel genre, les yeux de n'importe quelle couleur, même d'une couleur qui n'existe pas, une couleur qui n'a pas encore été inventée, mais qui va l'être bientôt, peut-être, on n'en sait rien quand les choses s'inventent, c'est comme ça. N'importe quel vivant, donc, sauf les plantes qui ne se meuvent que très peu, à la limite, on peut accepter les rampantes et les grimpantes. Enfin, pour l'ensemble du monde vivant qui se déplace, on peut dire de manière quasi certaine, si on avance dans une porte fermée, on se cogne. Inévitablement. C'est comme ça. La douleur occasionnée lors du cognement est en rapport avec la vitesse à laquelle on avance dans l'air ou dans l'eau, mais il y a guère de portes dans l'eau, excepté celle des bateaux échoués. Un chien, par exemple. Je choisis un chien parce que j'adore les chiens. Un lévrier lancé à grande vitesse se fera beaucoup plus mal en percutant une porte fermée qu'un homme désinvolte qui baguenaude, ou qu'une personne âgée claudiquant, ou qu'un bébé à quatre pattes, ou qu'une plante rampante. C'est comme ça. S'avancer dans une porte fermée n'est pas une bonne idée de toute façon. D'autant plus que certaines sont fermées définitivement. C'est comme ça. Cependant, je sais qu'une partie de l'ensemble du monde vivant s'obstine. Je suis souvent têtue, moi aussi. Une partie de l'ensemble du monde vivant ne veut pas admettre la fermeture définitive de certaines portes. Cogne contre, cogne contre, cogne contre, cogne contre, cogne contre, cogne contre, cogne contre. C'est comme ça. On ne peut pas empêcher l'obstination. On laisse faire. L'obstination est parfois un atout, d'ailleurs. Certains devraient l'être un peu plus, obstinés. Tout autant qu'une porte fermée. C'est très obstiné, une porte fermée. Mais là n'est pas le propos. Je remarque simplement que l'ensemble du monde vivant se confronte aux objets. Est-ce qu'une porte est un objet? On va plutôt dire se confronte au monde matériel. Mais vous aurez compris que dans cette histoire de porte fermée, c'est plutôt une allégorie. Donc pas si matériel que ça, la confrontation. Disons que c'est une histoire à double sens. C'est comme ça. L'important étant le courage de foncer dans ces fameuses portes fermées, le renoncement face à l'évidence, parfois difficile à envisager, et enfin l'épuisement, cogne contre, cogne contre, cogne contre, cogne contre, cogne contre, on s'épuise. C'est comme ça. Et si les portes sont ouvertes, on s'épuise encore plus, parce qu'il faut continuer d'avancer. C'est comme ça. Ça coupe et ça donne. Oh, faut que je mousse enfin du venin qui me fait mal au cœur. Quand le serpent chaloupe et console, oh, oh, faut que je m'ouvre la mise à 100 livres. Et là, ça fait peur. Si c'est ça. Sur à mes entournures, oh, oh, faut que je m'ouvre sans le grain, c'est jusque pendant la nuit. Ah, c'est comme ça, ça plonge et ça vire. Oh, oh, faut que je m'ouvre et ça gêne quoi quand y a pas de plaisir. C'est comme ça. La la la.
Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Je ne veux pas nous achever, tu sais. C'est pas que je veux te nuire, ni que je veux m'enfuir. Il me faut prendre le vrai, c'est vrai. Mesdames et messieurs, Stéphanie Kwasana, s'il vous plaît. Merci. André Manoukian. Je vous entends pas. Stéphanie Kwasana. Et le jeune André Manoukian. Alors, il en a été question deux fois dans les textes qu'on a entendus. Il y avait « Same player, shoot again » et il y avait « Extra ball ». C'est un peu comme sur... Vous vous rappelez quand on écoutait les 33 tours ? Il y avait 4, 5 chansons par côté. Et puis quand on laissait... l'aiguille sur le sillon, parfois il y a des groupes qui laissaient une chanson supplémentaire. Et ben nous on a une extra balle et une chanson supplémentaire. Merci d'accueillir Mathias Maggio. Que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes
te rappella mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappelle à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-être jamais savoir par où commence et qu'en finit l'indifférence. Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson ne prévère. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Mathias Malzieu, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Deux ou trois petites choses à vous dire. La première chose, c'est que les auteurs non seulement ont écrit des textes originaux, mais ils ont sélectionné un certain nombre de chansons pour une playlist que vous allez pouvoir entendre dans ce joli lieu. La deuxième chose, c'est que les ouvrages des auteurs qui nous ont fait le plaisir, le bonheur de partager leurs textes avec nous sont en vente également ici et qu'il y a une séance de dédicace juste là sur ma gauche, donc sur votre droite. Et maintenant, il reste le meilleur moment de la soirée, c'est celui des merci. Le premier merci va à quelqu'un qui, derrière sa console, a jonglé comme un malade. Merci d'applaudir David. Au chant, Stéphanie Quastana qui vient saluer encore une fois, s'il vous plaît, Stéphanie. Stéphanie, oui, merci. Et au piano, André Manoukian. J'invite les auteurs à rejoindre les musiciens sur scène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Haute-Seigne. Je vous entends pas. Haute-Seigne. Alexis Génie. Nathalie Yacht. Et Sarclo. Nathalie Yacht, Stéphanie Quastana, Alexis Génie, Haute-Seigne, André Manoukian et Sarclo. Encore, encore.